Salut tout le monde, c'est Drunkslen et vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour dans The Evil Within 2 et nous commençons le chapitre 7, si je me trompe pas. Mission chapitre 7, exactement. Ça c'est fait. Voilà. Donc dans le chapitre 7, il faut aller découvrir où sont les tableaux, même si je suis déjà passé devant finalement. Et ça va donner la possibilité de pouvoir entrer dans le théâtre. Donc c'est parti. Allez hop, on va voir ça tout de suite. Résonance. J'en ai un par là. J'en ai un par là. Donc on va commencer par lui, tiens. On va aller commencer par lui tout de suite. Ta-ta-ta-na. C'est quoi ce bruit? Oh, ça va être... Normalement tout le monde est mort. Hein. À part peut-être ça fait réapparaître de nouveaux ennemis. Mais normalement tout le monde est mort. Oh! Non, ok, il est mort. M'a fait peur ce con. Est-ce que c'est une plante que j'aurais pu prendre ça? Non. Ce n'est pas une plante que j'aurais pu prendre. Non, ici. C'est ça. Ici c'est un endroit. Faut que je monte à l'étage. Très bien. Ok, allons-y. Il est à l'étage, je m'en souviens. Au bout du couloir. Voilà. Juste. C'est de l'art. C'est juste une photo. Examinez. Voilà la grosse bestiole qui va nous attaquer, je suis sûr. Serrer la gueule. C'était évident. Oh my god. Oh la vache. Oh, ok. J'ai raté l'occasion de pouvoir s'éverrouiller. Merde. Fermé. Ok. Je vais avoir une clé ou quelque chose. Ouf. J'ai vu la bestiole. J'ai vu la bibite. Je sais pas si c'est vrai. Le seul problème c'est que si elle arrive par là. Je pense qu'il va falloir que je me la pète. Donc on va commencer par mettre un petit piège. Je peux pas changer de... Comment on fait pour changer déjà? Je m'en souviens plus. Comment on fait pour changer? Je peux pas changer? Je peux construire? Non, je peux rien changer. Changer. Changer de carreau, c'est X. Oh, j'ai rien d'autre. Oh, c'est tout ce que j'ai. Ok, on va y aller au fusil. Oh, tiens. Tu ne m'as pas vu. Bien. Ça devrait me rapprocher un peu de cette œuvre. Ouais. C'est ça, là voilà. Cache-toi. Je peux peut-être l'éviter. Oh oui, je peux l'éviter. Quoique si je la tue, ça va me faire du... Elle est là. Non. Si je la tue... Si je la tue, ça pourrait peut-être me faire, par exemple, de l'énergie.
Je pense que... C'est bon, je l'ai. Oh! Avec un peu de chance, ces trucs me laisseront tranquille. Elle pouvait pas me toucher pendant l'animation. Ah, ça, c'est trop beau. C'était trop beau. J'aurais dû me la faire peut-être hein, pour pouvoir récupérer quelque chose. Voilà mon œuvre d'art. Oh! Ok. Wow. Est-ce qu'il y a des fils de partout? C'est qui? Maria Klink. Donc apparemment, je peux pas passer par là. Ça a l'air un peu risqué par là. Voyons voir de ce côté-là. Est-ce que ça passe de ce côté-là? Je pense que oui. Hoffman. J'espère que vous aviez raison à propos de ce truc. Oh, j'ai vu le fil là. C'est parti. Ok, je pense que je l'ai eu. Oh, ça fait mal. Détruire le travail de Staré a vraiment un effet thérapeutique. Mais ça n'est pas encore fini. Encore un. Servez-vous du communicateur? Oui, je sais, oui. Et voilà, on va aller faire l'autre. J'ai pas eu besoin de... de tirer dessus, finalement. J'aurais sûrement dû... ou sûrement pu... me taper l'autre bestiole. Mais j'ai quand même... j'ai quand même évité ça, finalement. Quel bruit. Tu sais, le fait d'avoir tout nettoyé la ville, ça aide. Hein. Ça aide vraiment. J'ai ça de moins à faire. Dans le bar, je pense. Je pense que le tableau est en arrière. Juste là. Voilà. On y va. Finissons-en. Classique. Qui va être la bestiole qui va nous attaquer? Là est la question. Ne crie pas. Tu deviens une œuvre d'art. Tu vas faire partie de mon obscur. Il est taré. La chair. Moins malléable que l'argile. Oh, il y avait des trucs de ce côté, j'ai rien vu. Quel seul truc, j'ai pas vu. J'arrête. Impossible de se concentrer avec ces cris. Une sculpture n'a pas besoin de langue. Wow. Me cacher juste au cas où. Qui va m'attaquer? Qui va m'attaquer? Qui va m'attaquer? Ok.
Ils arrivent. Je suppose qu'ils arrivent. Non? Ils viennent ou ils viennent pas? On peut de venir. Là. Viens. Bouge. Parfait. Tiens, un autre qui veut se battre. C'est bien quand je me cache comme ça, ils me foncent dessus, puis boum. Là, j'ai une hache ici, très bien. J'ai déjà la hache, je pense. Oh. Eh oh. Je suis là. Et voilà, parfait, c'est super facile comme ça. Loulou. Oh, il m'a vu. Ouhou, coucou. Coucou. Ok. Oh! Tu l'as senti passer, hein? Oui, il arrive. Je suis là. Allô? Tu viens? Ok, tu me fatigues, là. Oh, je suis là. Il y en a combien là-dedans? Ouhou! Il y en a un autre sur la gauche. Ah, oh, t'as fait le tour, sérieux, là. Il est juste là, je pense. Ta 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 ta. Ta. On va regarder. Ok. Ok, il y a l'autre sachant ici. Ok, c'est vraiment facile. Voilà, c'est fait. Il y a d'autres à ramasser. Je penserai pas. Alors, on y retourne. Je pense pas que j'ai autre chose à ramasser. Je pense que c'est là où c'était bloqué finalement. Exact. Donc, on retourne par ici. Et on va ouvrir la petite porte. Oh, faut que je la soulève. Ouh, j'aurais pu la péter l'autre. Ça m'aurait fait tellement de... Ça m'aurait donné tout ce que j'avais besoin. Bon, on y va. Pas courir? Ah, tu cours pas? Bon, bah cours pas, qu'est-ce que je te dis. Ça va être la même chose. Même affaire avec les lasers. Bon. Voilà.
Ça passe au rat, hein. Il y a un petit fil là. Allez hop. Tu dégages. Et là, je vais me faire X. Ouh, boum. Voilà, c'est fait. Bon, par exemple, c'était moins violent que tout à l'heure. Ça y est, le théâtre est neutralisé. La porte est ouverte. Tada! On va pouvoir aller dans le théâtre. Alors, est-ce que le théâtre... Ça devrait avoir marché. Ça devrait avoir... Théâtre maintenant. Ah, il y a quelque chose... Qu'est-ce qu'il a là? Je pense que c'est une bouteille, j'en ai déjà plein. Saute par-dessus. Tu peux sauter par-dessus, sérieux? Bon, bah saute pas par-dessus, qu'est-ce que je te dis? Bon, à moins que je me fasse attaquer, je vais aller sauvegarder. Juste au cas où. Vu que je suis juste à côté de... mon ami. Donc on va aller sauvegarder. Salut Sykes. Je suis juste venu sauvegarder pour pas faire de bêtises vu que je vais rentrer dans le théâtre. Bye Sykes. Je pense pas avoir assez. On va regarder, je sais pas si je peux voir si... combien j'ai de... Ça me dit pas combien j'en ai, c'est ça qui est triste un petit peu, mais c'est pas grave. Puis-je fabriquer quelque chose par exemple? Non. Mais tant pis, hein. Entrons dans le théâtre. Pum 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 pum. Pum. Ça saute tout seul quand tu cours. Allez hop, on y va. Donc finalement, si j'avais été directement là, il aurait fallu que je fasse le reste et j'aurais nettoyé la ville avant ça. Mais là, c'est fini. Est-ce qu'il y a des cadavres partout qui fait que je vais avoir encore l'autre monstre qui va m'attaquer? Un doute là-dessus, mais ce serait une possibilité. Donc me voilà dans le grand théâtre. Je sais pas s'il y a des objets. Là, il y en a. Juste là. J'ai une statuette quelque part. Ah, j'ai oublié de mettre la lumière. Une poubelle. Puis-je fouiller dans la poubelle? Je ne peux pas fouiller dans la poubelle. Y a-t-il des objets ailleurs? Je pense pas. Bon, on y va, on rentre à l'intérieur. Et hop. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il est forcément quelque part par ici. Chapitre 8. Déjà chapitre 8 finalement, c'était assez rapide. Hein. Ok, donc on va arrêter là cette vidéo parce que moi je veux pas faire de vidéo entre deux chapitres, même si je l'ai fait au début, mais le chapitre 1 était vraiment très très court. Le chapitre 8 est pas très long non plus, hein, une vingtaine de minutes c'est pas beaucoup. Donc c'est tout pour cette vidéo, comme d'habitude si vous avez aimé ça, petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait et clochez-moi pour pas rater une de mes vidéos quand elle sort. Laissez-moi un commentaire sous la description si quoi que ce soit à me dire, suivez-moi sur Twitter et Facebook pour pas rater les promotions que j'aurai à vous offrir avec mon partenaire Games Planet. Et d'ailleurs si le jeu vous intéresse, le lien est dans la description pour pouvoir l'acheter moins cher et me supporter par la même occasion. On se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, bisous, bye.